Je n'étais pas à moi quand je l'ai vue, puisque je ne l'imaginais pas de la sorte. Donc j'étais franchement touchée. Il sait que je n'avais même pas de mots. À mesure qu'il grandit, ça se déformait parce qu'il a fait 6 ans avec ce mal. J'ai perdu la foi à un certain moment. Mais quand j'ai vu son courage et sa détermination, ça m'a beaucoup encouragé et ça m'a mis au travail. Mais je suis arrivée, on m'a montré les photos par internet que j'ai vues, mais que je ne croyais pas que vraiment c'est la main de Paul. Donc je suis arrivée que le rétablissement de Paul était déjà un peu avancé. Mais j'ai vu et j'ai cru. Ce qui m'a le plus marqué là-bas, l'amour. Il y a l'amour là-bas. Tout le monde aime l'autre, quel qu'en soit le cas. Tout le monde. Et Paul était chéri. Merci Chip pour les gens qui ont fait des dons, des cas comme Paul. Aujourd'hui, il est plus heureux. Il va au champ. Il écrit même avec ses mots. Et je vois. Je suis fière. Tout en remerciant aussi la famille de Paul. Et l'entourage qui sont tout autour de nous ne nous ont jamais délaissés.